Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de caramel à la crème. Je l'ai trouvée sur le site Swiss Milk. Ici, je l'utiliserai pour faire des cadeaux aux maîtresses de mes enfants. Alors, vous voulez la recette en vidéo? On commence par 250 ml de crème que l'on versera dans une casserole assez haute. Puis, on ajoutera le même poids, donc 250 g, de sucre dans la casserole avec aussi un sachet de sucre vanillé. On mélange bien à froid avant de mettre le feu vif sous la casserole. Il faudra mélanger et remuer pour faire dissoudre le sucre dans un premier temps. Puis ensuite, lorsque cela se mettra à chauffer et que les bulles commenceront à apparaître, on pourra baisser le feu. Donc remuer à feu vif jusqu'à ébullition. Dès que l'ébullition arrive, il faudra baisser le feu. On prépare 20 g de beurre qui seront ajoutés plus tard. Le mélange va mousser, gonfler, puis en baissant le volume, cela restera en ébullition légère, mais le volume diminuera un petit peu et on ne cesse de remuer. Le caramel va probablement prendre environ une demi-heure, 30 minutes à arriver, mais petit à petit le mélange se colore et la substance s'épaissit et devient comme une espèce de mousse qui se décolle des parois. À ce moment, on enlève la casserole du feu pour y ajouter le beurre et une cuillère à soupe d'eau. C'est le moment tout de suite de verser la préparation sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et de recouvrir rapidement d'une autre feuille de papier sulfurisé pour aplatir à l'aide d'une casserole, d'une autre plaque, etc. pour rendre l'épaisseur la plus fine possible et découper les caramels. Attention, le caramel, c'est très très dangereux, on ne touche jamais avec les mains. Le caramel sera un petit peu collant au début, donc on va attendre, mais cela se refroidit très très rapidement et se solidifie. On peut rapidement découper des carrés, des losanges, la forme que vous voulez, peut-être avec un emporte-pièce même. Mais on ne déplace pas les caramels puisque c'est encore chaud et encore mou. Dès que ça refroidit, on peut déplacer les caramels et ils sont tout à fait... séparés les uns des autres. Ces caramels sont extrêmement fondants. Selon la fournée, vous aurez des couleurs différentes. Donc voilà, ici j'ai deux fournées différentes. Donc deux couleurs différentes à proposer aux maîtresses de mes enfants. Si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Belle journée !